vous laisse écouter l'ovation qui accompagne l'entrée sur le terrain de Christophe Legout. Christophe Legout qui est en passe de succéder à Jacques Secrétin au palmarès de ses internationaux de France. Et après tout, si l'on se réfère à la hiérarchie mondiale, eh bien Christophe Legout est en passe, Claude, de réaliser ce que tout le tennis de table français attend. Oui, puisqu'il est classé bien sûr devant Danny Heister, le néerlandais. Mais parfois la logique n'est pas toujours respectée. Enfin, j'espère que là le sera. En tout cas, Christophe m'a paru là dans son regard, dans le gros plan, très déterminé. Et à mon avis, il sait déjà comment il va s'y prendre et qu'est-ce qu'il va faire. Donc c'est, il part pas à l'aveuglette. Et c'est vrai que pour nous, ça serait vraiment super que Christophe puisse remporter ses internationaux de France. Parce que d'abord, depuis quelques temps, il le mérite. Il est en pleine ascension. Il a pris 10 places au classement mondial en très peu de temps, grâce à sa demi-finale à la Coupe du Monde individuelle. Et puis, il a fait d'excellents résultats tout au long du début de saison. Donc, ça serait pour lui une consécration juste avant d'aller participer à la finale de l'ITTF Pro Tour fin décembre à Hong Kong. Nous allons maintenant suivre cette finale dans son intégralité. Nous voici donc à l'entame de ce premier set de cette finale du tableau simple, messieurs. Heister au service face à Christophe Legout, le joueur domicilié au club de Levallois. Et premier service ici d'Heister. One left. Changement de service, le français Legout à l'engagement, il est mené 3 points à 2 dans ce premier set. Premier véritable échange de la partie. Oui, on peut le dire, là c'est la diagonale favorite de Christophe Legout quand il se trouve comme ça en position de pivot, c'est-à-dire quand il tourne son revers pour prendre son coup droit, et là il est très très dangereux. Service au ralenti, service dévié. Pour revenir au milieu de la table, éviter de se faire trop écarter dans le revers.
Il est très très mobile à l'entame de ce match. Et il sait plus que quiconque l'importance d'opérer un bon début de match. Sa diagonale favorite. Et pourtant là il a attendu quelques temps en revers avant de se décider à pivoter. Là il a joué une balle, même une avant probablement, et là il a choisi de prendre son coup fort. Là aussi il avait choisi, mais Aister avait anticipé. Aister a anticipé que Christophe voulait pivoter. 7-8, Leroux. Nouveau changement de service. Et le but qui mène maintenant d'un petit point. Très bon service, bon risque, mais qui paye. L'initiative. Et Aister n'est décidé de pas trop reculer. Il a fait mine de se ravancer, peut-être pour impressionner l'adversaire. Là, il faut faire attention parce que c'est peut-être le moment que le Néerlandais a choisi pour jouer dans le plein coup droit de Christophe. 12. Bonne série en cours pour le Néerlandais. Il faut se ressaisir du côté du Français. 15-10. Arrêtez l'hémorragie. C'est ce qu'il fait avec l'aide du public. La balle à Aister. Une bonne série de services serait la bienvenue là. Ça commence bien. Et il égalise Christophe Legout, 13 points partout dans ce premier set. C'est dommage, il avait tout préparé, il n'avait plus qu'à finir. Aucun problème sur cette réception de service. Un peu long. Le service sort et Aister l'avait vu. Quel revers encore du Néerlandais, le quadruple champion des Pays-Bas. Christophe qui prend la balle trop basse. Vaulting 16.
Arnaiz. Aister. Eh oui. Nouveau changement de service. Le Néerlandais mène 16 points à 14. 17-14. Les mêmes défauts, si on peut parler de défauts à ce niveau-là. Ce qui explique peut-être un débat pour l'instant le plus équilibré. Léger avantage cependant aux Néerlandais. Attention Christophe. Leroux. La remise de service était plus qu'approximative et à ce niveau-là, ça pardonne pas. Il faut être précis. Allez, une bonne série de services là. Et première balle de 7, pardon, pour le Néerlandais. Et première balle de 7 sauvée par Christophe Legou. Néerlandais d'empocher cette première manche sur le score de 21-19. Sa balle ne doit pas sortir de la table, c'est-à-dire qu'il doit essayer de faire un service court ou un service de rebond avec le deuxième rebond qui serait encore sur la table. Dès que le service sort, Aister qui le voit en profite pour prendre l'initiative. Ça offre effectivement aux Néerlandais des solutions et des angles. Espérons que Christophe applique au mieux les conseils prodigués par Patrick Birochaud. Christophe Legout est ici au service à l'entrée de ce deuxième set après avoir perdu le bénéfice du premier 21-19. Voilà. Voilà, la réussite change de côté et permet à Christophe Legout de marquer ce premier point du deuxième set. Non. One,
était prêt à contre-pied sur cette balle là, ce qui ne lui a pas permis de faire comme il voulait, mais il avait eu de la chance. Il a bien varié les diagonales, Christophe Legout. C'était aussi un des conseils de Patrick Birochaud que j'ai entendu. De changer toujours l'angle de la première balle d'initiative et de jamais rester 2-3 balles au même endroit. Varier, hein, c'est vraiment le maître mot du tennis de table moderne. Premier jeu de service probant dans ce deuxième set. Christophe Legout qui mène 4 points à 1. Maintenant il faut essayer de trouver la parade sur le service d'Eister. Non. Les placements opportuns au moment opportun pour pouvoir s'en sortir. 5 points marqués sur 5 engagés par le Néerlandais qui mène maintenant 6 points à 4. Quand Christophe arrive à démarrer les premières balles avec de la rotation et pas trop de puissance. Parce qu'au jeu de vitesse puissance, je suis pas sûr qu'il soit favori. Effectivement, on l'a vu en demi-finale. Eister est venu ainsi à bout. Du grec Kreanga, pourtant mieux classé que lui au classement mondial. Mais il a peu à peu repris le dessus, imposé sa puissance pour l'emporter en 5-7. Le dessous, c'est le grec qui l'a pris. D'une façon facile. Le flip coup droit décontracté. Ouf. Il a été effectivement impressionnant sur ces deux échanges et impressionnant de facilité le Néerlandais. Christophe Legout vraiment mis loin de la balle sur ce dernier échange. 11-9. Nouveau changement de service. Et c'est le Néerlandais qui mène toujours dans ce deuxième set. 11 points à 9. Chercher les points là parce que le Néerlandais il est sur toutes les balles. Après 3
faire l'interview de Christophe ici. Changement de service et c'est Christophe Legout qui a pris un léger avantage. Tout léger alors. Hein. Vraiment tout léger, mais il convient de le souligner en espérant qu'il grandisse dans ce deuxième set, cet avantage. Ce qui m'étonne un peu, c'est que j'ai l'impression que Christophe n'arrive pas à surprendre son adversaire par des placements inattendus. J'ai l'impression que Aister arrive à lire à l'avance ce que Christophe va faire. Ça, c'est relativement gênant. Il faudrait qu'il devienne un peu moins lisible. C'est superbe. Ça, c'est bien, ça. Très belle réaction de Christophe Legout qui mène maintenant 16 points à 12 dans ce deuxième set. De Jean-Philippe Gatien, dont on peut dire que c'est l'idole de Christophe Legout. Christophe est très fort dans le schéma de jeu que Jean-Philippe aime aussi, c'est-à-dire le pivot, topspin, coup droit. C'est leur point fort, c'est leur coup de canon. Illustration immédiate. Jean-Philippe Gatien, évidemment, l'un des grands absents, qui a toujours du mal à se remettre de sa fracture du scaphoïde. Et que l'on espère bien évidemment revoir bientôt au meilleur niveau mondial. C'était Lyon et sa banlieue sur cet échange. Christophe Legout. Un joueur néerlandais qui place très très bien ses balles de façon à déborder Christophe. Et une fois qu'il est débordé, effectivement, c'est plus facile. Il est loin de la table, il fait que des balles hautes. Il peut difficilement faire autre chose. Ah, il est pourtant très en jambes, Christophe. Il faut conclure, il mène encore 19 points à 16 dans ce deuxième set. Service. 17-19. Il revient le néerlandais, il n'est plus mené que de 2 points.
peut-être que Christophe a joué un peu avec le doigt ou le rebond n'était pas normal apparemment. Il convenait de prendre un risque important, il l'a pris, ça a payé. Balle d'égalisation, un set partout pour Christophe Legout. 19-20. Ah, ça serait bien qu'il arrache ce set quand même, parce que partir à 2-0 contre lui, c'est dur après. Voilà, c'est fait, très belle attaque, un set partout. Égalité plus que parfaite, 21-19 dans le premier pour le Néerlandais, 21-19 dans le deuxième pour le Français. Le combat promettait d'être équilibré, il l'est pour l'instant. Il faut pas qu'il puisse lire, c'est bien ce qu'on disait, il faut que Christophe joue toujours différemment les balles, dans le placement, dans la variation en profondeur, dans les rotations, de façon à ce que Danny Astor ne puisse pas s'habituer à un jeu trop stéréotypé. Et puis en fait, les stéréotypes, des fois, il suffit de les avoir fait trois fois de suite et puis ça suffit. Être inventif, c'est ce qu'a conseillé Patrick Birochaud à Christophe Legout. Alors qu'on entame le troisième set. Un set partout. Il ne savait pas quoi faire de cette balle. Elle était bizarre. Chaud lui a demandé aussi de démarrer plus en ligne droite, ce qu'on appelle aussi parallèle. Mais c'est pas toujours facile, parce que ça fait pas partie de ses schémas de jeu habituels. Mais pour lui, déjà, il faut y penser très fort, il faut qu'il se force à le faire. Et ça c'est pas naturel, donc il va le faire, je suppose, mais il faut qu'il y pense vraiment beaucoup. À l'inverse, c'est un point, c'est Jean-Denis qui vient d'inscrire ici. Il a pris un avantage.
avantage équivalent à un jeu de service pour l'instant. Christophe Legout, 7 points à 2 dans ce 3ème set. Danny Heister le connaît par cœur, ce schéma de jeu. Il avait bien entamé ce troisième set, il ne faut pas laisser le Néerlandais revenir. Passer maintenant que les joueurs fonctionnent par série de réussites, probablement consécutifs à leur fatigue réciproque. Et ils vont avoir, je pense, l'un après l'autre, ce qu'on appelle des coups de pompe. L'objectif étant de faire en sorte que le coup de pompe dure le moins longtemps. Donc il faut penser à récupérer, à respirer. On a vu Christophe Legout s'alimenter également à la pause. Toutes ces petites choses auxquelles il faut penser, en particulier lors de ces épreuves de longue haleine. Passage à vide correspondent aussi aux séries de services apparemment. Quand Heister a le service, il marque 4 points sur 5. Et quand Christophe a le service, il en fait de même. Ce qui fait que pour l'instant, le score reste à peu près équilibré par rapport au début du set où Christophe avait pris de l'avance. Cela illustre bien l'importance du service et l'avantage que cela peut conférer. Dans l'initiative du jeu. 10-12. 15-10. Elle a touché la table cette balle et 13 points à 10 en faveur de Christophe Legout. Il ne lâche rien, le Néerlandais. Nouveau changement de service. Christophe a perdu 4 points sur 5 sur cette série de services. Avec des remises pas assez efficaces pour empêcher Heister de s'imposer. Là, il faudrait que ça s'arrête maintenant. Le mano à mano continue. 14-15. Il a trouvé le petit côté
avec un peu de réussite. Même la bande blanche. Il avait pourtant bien servi. 14-16. Les déplacements dans le plein coup droit sont de plus en plus difficiles parce que je suppose que les joueurs sont de plus en plus lourds et fatigués. Deux matchs en 5-7 lors des demi-finales pour chacun de ces joueurs, plus une finale de double disputée par le Néerlandais. S'accrocher en cette fin de troisième set. Flip coup droit. Changement de service, le goût est mené. 19 points à 16. C'est lui qui engage maintenant. C'est bien que tu fais tourner un petit peu la balle, qu'il ne joue pas trop fort et trop vite. Parce qu'il rentre dans les points forts de son adversaire. Ça, c'est très 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 bien joué de la part de Heister. Top spin revers en ligne droite sur la bande blanche. Ah, on l'attendait peut-être pas à ce niveau de jeu, Heister. Il est partout, sauf sur cet échange. Il a vendu très cher sa peau quand même. Ça, c'est un schéma de jeu du Parker, on dira. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne quand le service surprend, comme ça a été le cas. Est-ce qu'il va en tenter un deuxième? Ça m'étonnerait. Encore un petit point, Christophe. Égalité, 20 points partout. Qui a bien compris le soutien dont avait besoin Christophe à ce moment crucial de la partie. Et balle de 2-7 à 1 pour le goût. Et il est au service. Pour quel service va-t-il opter ? Normal. C'est fait. 2-7 à 1 pour Christophe Legout. 22-20. Et bien dites-moi, il était pourtant en mauvaise posture à l'issue de ce troisième set. Du moins, à quelques points du final. Et il s'en sort très très bien. Avantage psychologique certain. On écoute tout de suite Patrick Birochaud. La balle, il faut que tu la gardes sur la table de service. Si tu vas dans le coup droit, il faut qu'elle soit au-dessus de la table, qu'il ne puisse pas démarrer. Parce que là, il la sent bien et tout de suite, il décarte la barre. D'accord. Sur son service, si vraiment tu vois, tu peux flipper. Il faut essayer de le faire. Mais il faut flipper à ce moment-là, il faut flipper au coude, il faut flipper dans le revers. Il faut éviter. Si tu flippes dans le coup droit, il faut flipper fort. Sinon, il anticipe et tout de suite, il tourne. Voilà. Cherche au niveau du service, sinon, comme tu l'as fait dans le deuxième set, elle a gardé court, coude, un petit peu de rebond, de manière à ce qu'il ne sache pas trop quoi faire. Là, il est embêté. Hein. Quand tu démarres en revers de temps en temps, tu l'as fait une ou deux fois en début de set et ça a bien fonctionné. Démarre rotation coude, il est un peu gêné, il ne sait pas trop non plus comment faire. Et après, tu peux prendre le pivot, tu peux t'engager là-dessus.
Il faut que tu sois beaucoup plus rigoureux à 8-2. Inconsciemment, tu n'as plus construit les points comme au début. Tu as laissé traîner, tu lui as donné l'initiative, tu es beaucoup resté dans la demi-table revers. Et tu sais qu'il ne faut pas que tu y restes longtemps. Hein, soit tu repasses sur le côté pour l'envoyer comme tu l'as fait à 20 partout, soit tu essaies de claquer, soit tu prends un pivot en lui trouvant le vent. Mais on n'y reste pas longtemps dans la demi-table revers. Ok ? Allez. Patrick Birochaud qui dit donc à Christophe Legout qu'il faut être rigoureux, particulièrement dans sa remise de service. Il ne faut pas laisser traîner des balles faciles, parce que bien évidemment, Aister, avec le niveau qu'il a, ça lui facilite bien la tâche. Et comme je vous le disais, il est peut-être difficile à cette heure de la journée, après le nombre d'heures de compétition, de garder la vigilance à son maximum. Et sûrement que ça doit tomber à des moments, ils ne doivent pas pouvoir se concentrer aussi bien qu'ils le faisaient en début d'après-midi. Voilà, nous sommes au tout début, 4e set au service. Christophe Legout qui mène 2-7-1. Ce qu'on appelle nous une balle volée, une balle de chance, c'est pas très correct. C'est pas très correct, mais on est nécessairement un peu partisan lorsqu'on a un Français en finale. Les internationaux de France qui posaient. Échange. Remise courte, non, on n'a pas vu de la totalité. Retour. Six. Fight. Dans le vif du sujet. Un beau revers lâché, là où on a bien entendu le contact balle-raquette et l'utilisation maximale de l'élasticité du caoutchouc. Avec la colle rapide qu'utilise bien sûr aussi Christophe, comme presque tous les meilleurs joueurs du monde. L'importance de la préparation du matériel et de la colle utilisée. On va dépendre de la vitesse des balles atteintes. Christophe Legout mène 8-5 dans ce 4e set. À nouveau, et Aister n'aime pas trop ça puisqu'il a du mal à contrôler. Il sort assez souvent la balle. Il est dans une bonne dynamique, Christophe. C'est de bon augure. Non, même s'il se sort ce genre de situation, ça veut dire qu'il a vraiment le vent en poupe là. Le score en témoigne, 10-5. Il était mal parti dans cet échange.
C'est vrai, un échange qui en début de rencontre dans ce type de configuration était un peu plus à l'avantage du néerlandais. Et là le schéma s'est un peu inversé. On ne va pas s'en plaindre. 6-10. Attention à la remise de service. Pensez à la rigueur dont a parlé Patrick Birochaud. Bien sûr, il va nous faire mentir qui est au bout. Baisse de régime là sur le service de son adversaire. Se faire mal au pouce. Il alterne bien les rythmes sur son service et les longueurs des balles. Qu'il négocie mieux cette série que la précédente. Et un carton jaune infligé à Christophe Legout. Non, je pense pas, c'est à l'entraîneur hollandais. Ah, pour avoir peut-être communiqué avec son joueur alors qu'il n'en a pas le droit. Oui, je pense. Une nouvelle bonne série en cours sur le service du néerlandais. Des petits points qui ont une importance énorme. Une sorte de petit break réussi par les joueurs. Ce qui pourrait être la fin de la partie. 14-15. C'est bien anticipé parce que la balle était difficile dans le plein coup droit de Christophe. C'est bien joué de la part de Legout qui mène maintenant 16 points à 14. Dans ce quatrième set. Il était presque en retard en plus. L'héros. Il a trouvé les ressources nécessaires. Pour exécuter ce très beau coup droit. Schéma de jeu, appris par cœur. Comme à l'entraînement. Dans une rencontre, il faut des schémas de jeu qu'on a l'habitude de faire et il faut savoir de temps en temps faire autre chose, c'est ça le plus difficile. Pour surprendre l'adversaire, être inventif, c'est ce que disait tout à l'heure Patrick Birochaud.
service qui a rebondi un petit peu haut et qui permet aux Néerlandais d'égaliser à 17 points partout. La tension monte ici à Gerland. 18-17. Et c'est les Néerlandais maintenant qui possèdent le plus petit des avantages et qui va entamer une série de services. Il est allé la chercher très très loin cette balle, Christophe Legout. Et il n'a pas fait le voyage pour rien. Il égalise. Formidable jeu de jambes du Français. Ouais, et Aister était très énervé parce qu'il pensait que le point était terminé et qu'il l'avait gagné. Il reprend un petit peu le dessus. C'est vraiment la guerre des nerfs maintenant en cette fin de rencontre. Il joue avec les nôtres aussi, hein. Les nerfs. Par la même, oui. Et avec ceux du public, bien évidemment. Et balle de match pour Christophe Legout. Comment va-t-il la gérer, dans celle-là cette, finale, occasion rêvée d'inscrire son nom au palmarès de cette compétition. Et c'est fait, Christophe Legout remporte ses internationaux de France et inscrit son nom, à l'instar de Jacques Secrétin, au tableau d'honneur de cette compétition. Bravo Christophe, score final 19-21, 21-19, 22-20, 21-19. Les nerfs ont tenu du côté du Français. Il est content, ça c'est notre kiné, le kiné de l'équipe de France. Très très belle victoire. Et ça, vous l'aurez pu vivre sur AB Sport. En compagnie de Claude Bergeret. J'espère que vous aurez eu un grand plaisir à suivre avec nous ces internationaux de France. Mais avant de se terminer, d'assister au protocole final, nous allons entendre le vainqueur, Christophe Legout. Très très belle victoire de Christophe Legout. Alors d'après vous, qu'est-ce qui a fait la différence? Ce qui a fait la différence, je pense, il y a d'une part le public qui m'a beaucoup aidé, il y avait ma famille, il y avait tout le monde. De jouer à la maison, c'est toujours bénéfique. Et puis j'étais très bien physiquement depuis tout au long du week-end et c'est vrai que ça m'a bien aidé là. Alors vous avez vu sur AB Sport lors de la Coupe du Monde à Nîmes, c'était déjà un très très bon signe. Quelle série en cours pour Christophe Legout? Ouais, je suis en pleine confiance depuis le début de la saison. C'est vrai que c'est aussi grâce à ça que je gagne ici. La confiance c'est important, on l'a vu avec Zoran Primorac à la Coupe du Monde. Et puis moi à mon niveau un peu en dessous, je commence à gagner aussi, donc c'est pas mal. Alors en l'absence de Jean-Philippe Gatien, eh bien Christophe Legout s'affirme comme le nouveau chef de file de l'équipe de France. Ouais, peut-être, ceci dit, j'ai bien envie qu'il revienne pour qu'on continue à gagner des médailles et à faire trembler la Chine. Nous, on en a tous très envie. Quels sont les prochains objectifs pour Christophe Legault? Les prochains objectifs, c'est tout d'abord mardi en Ligue européenne contre l'Allemagne, une demi-finale. Puis un match de Coupe d'Europe très important avec le Valois, un quart de finale retour. On a gagné 4-3 à l'aller, il y aura 4 champions du monde dans l'aire de jeu. Et puis bien sûr la finale du Pro Tour du 18 au 21 décembre à Hong Kong. Comment avez-vous appréhendé cette finale? Un peu de stress ou tout de suite libéré dans le match? Non, un peu de stress, c'est clair. D'ailleurs, ça s'est vu au niveau du jeu, ça n'avait pas été une grande finale, simplement une grande finale au niveau tension nerveuse et tout. Mais c'est vrai qu'un peu contracté, du mal à lâcher les coups, c'est vrai que ça rentrait moins que les matchs précédents, mais il y a la fatigue qui jouait aussi un peu. Eh bien Christophe, félicitations encore et puis bonne continuation surtout. Merci. Merci beaucoup. Et l'on se quitte sur ces images d'un Christophe Legout, vainqueur ici des internationaux de France à Lyon et qui inscrit son nom au palmarès sur lequel figure également celui de Jacques Secrétin, vainqueur à deux reprises de ces internationaux de France. C'était en 74 et 76. Un très très beau vainqueur. Le tennis de table, c'était et ce sera sur AB Sport. On se quitte sur Christophe Legout. Médaille autour du cou.
à bientôt. Et bonne fin de journée sur AB Sport.